Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on garde ? Star Academy et Ciné-Télé-Revue, difficile de rester indifférent. Bonsoir à toutes et à tous, salut Virginie. Salut Fred et bienvenue à cette toute première de Star Academy. Un grand moment. Ouais, merci d'être avec nous, avec ce soir les 100 candidats présélectionnés qui vont faire leur entrée derrière nous. On les appelle tout de suite les 100 candidats sélectionnés. Et on peut les applaudir bien bien fort. Ah ouais, super. Parce que pour eux, c'était un vrai parcours du combattant pour arriver jusqu'ici. Faut savoir qu'à l'annonce de l'émission, 5000 vidéos et enregistrements ont été envoyés. Sur base de ces candidatures, 1000 personnes ont été invitées à se présenter à un premier casting. Il n'en est resté que 250. Ces 250 apprentis chanteurs sont repassés une deuxième fois devant le jury à Hélésine. Et aujourd'hui, les 100 heureux élus sont avec nous. Et ce qui est incroyable, Virginie, c'est que après trois mois seulement, il n'en restera plus qu'un ou plus qu'une qui sera le grand gagnant et pour qui la route du succès sera toute tracée. Ça, c'est clair. Trois mois de formation et après ça... Ouh, merci pour votre accueil. Ça commence bien. On n'est pas encore arrivé, bien sûr, aux grandes sélections finales, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de demain, sur RTL TVI, vous pourrez choisir 20 candidats parmi ces 100 personnes qui vous seront présentées pendant un mois. Chaque jour, 5 candidats. Voilà, il y aura 3 mois de formation, Fred. Ouais, exactement. Et après ça, est-ce qu'on devient réellement une star? Moi, j'ai envie, pour répondre à cette cruciale question, d'appeler un spécialiste en la matière. C'est le parrain de Star Academy en Belgique. Je ne sais pas si vous avez une petite idée là, de qui il s'agit. Je vous demande de réserver tout de suite un triomphe à ce belgo-liégeois finaliste de Star Academy, Mario. Bonsoir. Bonsoir Mario. Bonsoir. Bonsoir. Tu es un peu un modèle pour eux, hein, Mario. Ça fait du bien. Bonsoir. Merci à la Belgique. Merci d'avoir accepté d'être le parrain de Star Academy. Alors justement, Star Academy, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors Star Academy, ça m'a apporté beaucoup de bonheur d'abord. Ça m'a apporté beaucoup d'émotions humaines avec des gens que je ne connaissais pas. Une vie commune et surtout d'apprendre plein de choses artistiquement avec des professeurs géniaux et même une équipe de production télé. On découvre plein de choses dans cette émission et je pense qu'ils vont le voir durant ces semaines. Ça va être formidable, j'en suis sûr. Allez. Alors justement Mario, toi tu as vécu cette grande aventure il y a quelques semaines. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux 100 candidats qui sont présents ce soir? Alors, cette question me dérange un peu parce qu'un conseil, je ne suis pas à la hauteur de donner un conseil à tous ces candidats parce que j'étais à leur place il n'y a pas très longtemps. Tout ce que je peux leur dire, c'est de croire à fond en ce qu'ils font, d'avoir la foi, de se battre jusqu'au bout parce que tout est possible, il suffit d'y croire et d'y aller jusqu'au bout en restant sincère. Voilà. Merci beaucoup Mario. Merci d'être avec nous pour la première et merci d'être le parrain de cette émission aussi. Star Academy démarre officiellement ce soir en Belgique, vous le savez, mais on peut dire que le phénomène s'internationalise puisqu'il a existé bien sûr en Hollande, en France, en Espagne. La Grande-Bretagne va bientôt avoir sa version également qui s'appellera là-bas Fame Academy. Et je vous propose de bien vous rendre compte de ce phénomène en allant d'abord aux Pays-Bas avec une émission là-bas qui s'appelle Star Maker. Et juste après, on ira voir du côté espagnol, comment ça se passe avec Opération Triunfo. Regardez.